Nou, le Barça accueille Alavés, le leader face au 17e. Barcelone joue bien pour garder une avance confortable en tête de la Liga. Philippe Coutinho est titulaire pour la première fois avec le Barça. Appui sur Paulinho, en position peut-être de donner ce ballon. Voici à Semedo, la passe en retrait pour Philippe Coutinho. Ibai Gomez, ouh, attention la relance interceptée par Lucas Digne. Occasion pour Digne, tir à côté, bien joué. Messi, Iniesta, il a contrôlé Iniesta. Oh, la remise sur Messi avec maintenant Luis Suarez vers Messi, ça a failli être un contre son camp. Iniesta pour le centre vers Paulinho. Et un bon contre là, un très bon contre pour l'équipe d'Abelardo. Un 2 contre 1, supériorité numérique avec Hernan Pérez maintenant face à Semedo. La passe vers Ibai Gomez, Ter Stegen. Encore sorti, impeccable. Digne, Umtiti, Suarez, Paulinho, et touche, bien joué, Messi. Mauvais, mauvais ce qu'il fait Messi là, parce qu'en plus la prise des balles. Ouais, Ibai Gomez va lancer Guidetti, le face-à-face de John Guidetti face à Ter Stegen. La balle de but pour Alavés, Guidetti la transforme, sensation au Camp Nou avec ce but donc du joueur prêté par le Celta. 1-0 pour Alavés. Ce premier but, mais on va voir que la frappe, je pense que c'est une frappe à deux pieds. Vous allez voir, il a glissé le pied d'appui. La touche, la volée. Ouh, c'était bien joué, Sobrino. Parade de Ter Stegen. Messi pour ce coup franc et parade magnifique de Pacheco pour enlever ce ballon juste à côté du poteau. Guidetti, bien joué. Oh, la passe, elle est merveilleuse de Guidetti. La balle de but pour Ibai Gomez. Gomez fait le tour. Est-ce qu'il va pouvoir tirer Ibai Gomez? Oh, le décalage, c'est pas mal. Là encore avec la frappe enchaînée de Duarte, contré par Piqué. Oh, ballon pour Suarez. Et parade là encore de Pacheco. Alavés tient bon parce qu'en plus on voit bien jouer Sergio. Voilà, quand on dit attaquer, faire une... Sergio Roberto, oh, Piqué, le ballon de Piqué pour Paulinho dans la surface. Pacheco, Paulinho et dégagement devant sa ligne de Duarte. Jordi Alba, la passe d'Alba, toujours, toujours. Toujours. Messi, Iniesta. Un peu trop. Encore une bonne accélération là de Andrés Iniesta. Le centre de Iniesta au deuxième poteau. Suarez pour une nouvelle volée de l'Uruguayen. Égalisation du Barça à 20 minutes de la fin. 16e but en Liga et Barcelone revient. Oui, mais les deux choses ne sont pas du tout évidentes. D'abord, Pedraza. Ouh, la tête en retrait. Elle est bonne pour Suarez, l'enchaînement. Alors qu'il n'y avait pas quoi à casser et Messi dans la surface. Mais si vous êtes Fernando Pacheco, vous êtes préoccupé ou pas? Non. D'accord. Parce que vous faites un super match. Absolument. Pacheco, aujourd'hui, vous avez tout sorti. Alors le coup franc, très important pour Barcelone. Avec Messi qui le brosse, Pacheco l'a effleuré, c'est insuffisant. Le Barça prend l'avantage grâce à son génie. 20e but de la Pulga en Liga. Ino se fatigue jamais. Et plus ça va, plus on peut moins dire. Parce que à un moment donné, je me suis dit, je vous ai dit, on attend le moment Messi parce que il était... Et écoutez le public, je m'arrête parce que c'est plus la peine. Mais lorsqu'on joue à Barcelone, on en a besoin. Wakaso. De plus. Sergi Roberto. Et réclame une main. Ruben Sobrino, là, et tous les joueurs d'Alavés auprès d'Iglesias Villanueva sur cette volée de Mounir. Alors on va mieux revoir la situation. Sergio Roberto qui la remet. Oui, il y a main. Il l'arrête de là. Bras droit de Titi, bien sûr. C'est pénalty. Il
peut le signaler sans problème, mais pour moi il y a pénalty. C'est clair, il n'y a rien à dire. Barcelone toujours invaincu en Liga, 18e victoire après 21 journées, un succès difficile face au 17e Alavés. 2-1, Alavés a mené jusqu'à la 72e minute de jeu, mais Suarez et Messi ont marqué ensuite pour offrir.